Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment, pour se laisser. Salut à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à Marseille, au Stade Vélodrome. Au micro pour vous, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre les plus grandes aventures et ce rendez-vous très important dans cette compétition avec cette demi-finale retour, l'Olympique de Marseille face à Leverkusen. Le match aller a donné beaucoup de confiance aux hommes du Bayern. Oh, il y a une bonne occasion là. Un bon arrêt du gardien. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. On découvre le 11 marseillais. Le 5-3-2 ou le 3-5-2, c'est toute la question. Que vont faire les pistons sur les côtés? Ce qui compte, ce n'est pas le système. Ce sont les intentions, la volonté, l'ambition et les joueurs. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Quelle magnifique reprise de volée déviée par le cadre. Dommage, un contrôle, une possibilité de dompter le ballon aurait été plus efficace. Voici la composition du Bayern. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose, la solution sera sur les côtés. Maintenant, avec ce système, tout est possible. Il va falloir bien occuper la profondeur. Attente, regardez ce qui se passe! Et c'est au fond, voilà, avec ce premier but, la glace est rompue et ce match va débuter pour de bon! On se demande ce qui était parti faire le gardien sur ce ballon. Peut-être qu'il était parti à la chasse au papillon. Regardez, il est vraiment beaucoup trop loin de l'action et du ballon pour pouvoir intervenir. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Léo Balerdi. Ballon perdu, c'est rendu même. Une bonne situation pour Wirtz. Goal! On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ballon dangereux en profondeur. Coupe Miners. Oui, bien fait de la part du gardien. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Et la perte de balle de Leverkusen. Coupe Miners. Oh, la faute et pénalty! Eh non, pas de carton sur cette action. Eh non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Ouais, le pénalty est transformé de la course à la frappe. Tout est réussi. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1.
Henrix. Sortie en touche. Ballon récupéré dans le camp adverse. Oh, c'est un bon ballon, ça! Ouais, c'est magnifiquement défendu, ça! Coupe Miners. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Et voilà, c'est donc la mi-temps de ce match. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ouais, bien fait, il est passé. Guendouzi. Et suivre prochainement, après ce match, une rencontre de Bundesliga, le Bayer Leverkusen affrontera Mayence. J'ai hâte de voir ça, un beau moment de football qui arrive. Wirtz, attention, il y a danger là. Non, ça ne donne rien, la défense dégage le ballon. Attention à cette frappe, et c'est finalement capté sans trop de problèmes. Le ballon est récupéré. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Matteo Guendouzi. Guendouzi avec le ballon. Ah non, il y a une position. De hors-jeu signalé. Tape Soba. Ah, le ballon est rendu. Oh, il y a de l'espace, là, faut en profiter. Le petit ballon piqué. Oh oui, c'est bien joué. Quel but. Magnifique inspiration avec ce petit ballon piqué. Ce n'est pas un but, ça. C'est une déclaration d'amour au football, à la malice, à la délicatesse. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Allez, donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Allez, il dépose l'adversaire là. Oui, il faut frapper maintenant. Allez, le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés et il va pouvoir relancer son équipe. Bien défendu dans sa propre surface. Geoffrey Kondogbia. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Et ça joue sur Guendouzi. Bon geste défensif, mais c'est pas fini. Attention la frappe! Tentative en force, mais le ballon passe loin du but. Si près du but, c'est vraiment dommage. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Et le ballon récupéré dans le dos de la défense. Encore une chance! Oh, c'est bien défendu! On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing.
La fin de ce match retour est forcément, c'est la déception dans le stade. À l'extérieur, cette équipe décroche sa place pour la finale. Sur l'ensemble de match, il n'y a aucun doute sur la supériorité de cette équipe. Tant offensivement que défensivement, c'est l'équipe la plus séduisante qui s'est qualifiée pour...